L'année passée, avec ma conjointe, je suis venu pêcher ici, à la pourvoirie du lac du Moulin. On a découvert une île paradisiaque, c'est comme ça que j'ai le goût d'appeler ça. Puis j'ai dit à Karine et Dani, j'ai dit, faut revenir ici, faut tourner une émission de l'heure juste ici, faire découvrir cet endroit-là aux gens. Et c'est ce qu'on a fait. Encore une fois, la pêche était bonne, ça a été un séjour vraiment agréable à tout point de vue. Maintenant, je veux que les gens puissent vivre ça eux aussi. Première chose, où sommes-nous ici? Localisation géographique. On est en Haute-Mauricie, plus précisément à Latuc. On est à seulement 25 km du centre-ville de Latuc. Fait que, on est au kilomètre 20 exactement sur la 25, la route forestière 25. Donc, très, très facilement accessible, seulement qu'il y a 17 km de gravier à faire pour se rendre au stationnement de la pourvoirie. Fait que c'est facilement accessible pour tous les types de véhicules, même des gens l'an passé qui sont venus avec des motos. Quand on quitte la 25 pour se rendre au parking, c'est quelques centaines de pieds. Là. Ouais. Donc, même avec un véhicule qui n'est pas prévu pour faire des routes forestières, c'est très facile. Il n'y a pas de risque de briser notre véhicule. Pas d'inquiétude à ce niveau-là. Au niveau de la pêche, ouais, vous avez une particularité que moi, j'ai beaucoup aimée, la moulaque. Moi, j'appelle oui, ça un super poisson, ça. C'est, oui, exactement. C'est un poisson qui est très prisé de la part des sportifs. Parce que c'est un hybride, on sait, entre une truite mouchetée et une touladie. Fait que, donc, on va chercher le meilleur des deux poissons dans ce magnifique poisson-là. Fait qu'on peut atteindre des dimensions de la grise, qui va aller ici dans le lac jusqu'à 20 livres. Mais on va garder un comportement un petit peu plus semblable à celle de la mouchetée. Donc, elle va être active tout au long de l'année. Et surtout, on va avoir une chair comme la mouchetée. Fait qu'une belle chair rosée. Fait que c'est un magnifique poisson pour les sportifs. Puis ici, le lac où on pêche la moulaque, c'est le lac autour de l'île où sont les chalets. Ouais. Fait qu'à tout moment dans notre séjour, on a une heure ou deux de libre, on met la chaloupe à l'eau, on s'en va pêcher. Il y a des excellents secteurs de pêche juste en face des chalets ici. Fait que ça aussi, je trouve ça pas mal fantastique. Exact. Puis là, outre ça, évidemment, on a notre espèce favorite à bien des pêcheurs, la mouchetée. Oui, effectivement, la mouchetée, on en a pour tous les goûts. On a des lacs qui sont indigènes, on a des lacs aussi un petit peu plus familiales qu'on va appeler. Il y en a aussi de toutes les grosseurs. On a une souche un petit peu spéciale qui est une souche de la rivière Rupert qui est présente dans notre lac à l'ours, qui a été un magnifique projet du ministère de la Faune dans les années 80 de revitalisation, qui a très, très bien fonctionné. Ils ont fait un excellent travail. Fait qu'aujourd'hui, c'est un joyau de la pourvoirie, le lac à l'ours. Sinon, mais c'est au total, si je ne m'abuse, c'est une douzaine de lacs de mouchetés qu'on a ici présents sur le territoire. La façon d'accéder à ces lacs de mouchetés-là, moi, je l'aime beaucoup aussi. C'est particulier parce qu'on est sur une île. Explique aux gens comment ça fonctionne. Bien, le concept est assez spécial et assez exclusif. Étant donné qu'on est sur une île, le territoire il est accessible seulement qu'en embarcation. Donc, chaque client qui est ici à l'île a son embarcation. Il va aller se rendre à un des 6 débarcadères qui est autour du lac. À cet emplacement-là, il va y avoir des VTT qui vont être mis à la disposition des clients pour se rendre sur les autres lacs secondaires. Fait qu'ici, en fait, quand on arrive à la pourvoirie, bien, on oublie le dernier lien avec la ville, c'est-à-dire sa voiture, on la laisse au stationnement, et après ça, bien, on décroche complètement. Ouais, puis ce que j'ai aimé aussi, qui facilite les choses pour les gens, c'est quand on a fait notre petite balade de VTT et on arrive au lac, le moteur est déjà là, rempli ouais, d'essence, prêt à servir sur la chaloupe. Exact. Donc, évidemment, on n'a pas à transporter ça. Les moteurs, c'est des petits 2,5 ouais, forces, faciles à travailler, qui fonctionnent bien. Tout est parfait à ce niveau-là. Il y a d'autres espèces aussi que les gens peuvent pêcher ici? Oui. En fait, à chaque année, on essaye d'exploiter une quinzaine de lacs en incluant le plus d'espèces possibles pour l'expérience de pêche. Donc, d'année en année, on a 5 espèces à offrir aux clients. Donc, on parlait tantôt de la moulaque et de la mouchetée, mais on a aussi le grand brochet. On a 2 beaux lacs à brochet. On a l'omble chevalier d'eau douce, qui est un descendant de l'Arctic Chow, qu'on appelle ici la Rouge du Québec, qui est quand même très rare comme poisson. Très plaisant à pêcher aussi. Puis on a ensuite de ça la truite grise. Évidemment, on a 2 lacs à truite grise. Pour les gens qui se rendent ici, offrez-vous le plan américain, le plan européen, les deux? Oui, là, à partir de cette année, en fait, on a un concept un petit peu différent. On a le plan européen et le plan américain.
Ça s'est toujours fait ici à la pourvoirie, on continue ça. Mais aussi, c'est qu'on offre la possibilité aux gens qui viennent en plan européen de prendre un, deux ou trois repas en salle à manger, même s'ils n'ont pas réservé comme plan américain. Fait que, on s'en vient tranquillement pas vite avec un menu à la carte, tout simplement. Donc, si le soir, vous avez le goût d'accompagner vos burgers avec une frite, vous venez nous voir en haut à l'auberge, on vous fait un beau frite familial pour accompagner votre souper. Puis le cas classique, là, on arrive de la pêche, là, bon, cette fois-là, on est dit peut-être faire un portage, puis là, on s'est levé tôt, on était un peu fatigué, on dit « Ah, là, faut se faire un souper, on dirait que ça me tente pas. » On monte la petite côte, on s'en va à l'auberge, puis on mange bien. Exactement. Vraiment, on l'a vécu l'année passée, puis hier soir aussi, on a soupé à l'auberge, là, c'est super bon. Merci. Au niveau des chalets, là, celui dans lequel on est, il est incroyable. Ça, c'est pas souvent qu'on voit ça. Ma foi, on pourrait lancer une ligne à l'eau à partir de la galerie pour attraper des poissons. Ben... Les jeunes qui sont là-bas attrapent des perchaudes presque à profusion. Oui, exact. Je pense à l'occasion même, peut-être plutôt en saison, carrément de la truite ici. Là, où... Effectivement, plus particulièrement ici, en avant du chalet 5, on a un petit bassin de poissons au bout du quai. Fait qu'on n'a même pas besoin d'embarquer dans une embarcation. On fait simplement faire deux, trois pas, on s'en va au bout du quai, on lance notre ligne, puis on a de bonnes chances de ramener de la truite. Outre ça, au niveau des chalets, bon, ça, on peut accommoder combien de personnes et tout ça? Comment ça fonctionne? On a 11 chalets au total sur l'île. Des chalets, on peut accueillir de 2 à 16 personnes. Fait qu'on en a pour groupes. On en a aussi pour des belles familles. Il y en a qui viennent des fois ici faire des rassemblements familiales. On a de quoi les accueillir sans aucun problème. Une autre chose qui m'a frappé depuis qu'on est arrivé ici, c'est qu'on a eu le droit au traitement royal. Là, vous nous amenez ici en ponton. Là, vous avez des employés qui amènent nos bagages au chalet. C'est toujours comme ça ou là, c'est parce que c'est une équipe de télévision? Ça peut ressembler à ça, hein? Mais non, effectivement, vous avez le traitement royal tous à part égale. C'est ce qui fait aussi notre charme. C'est ça qui a été instauré depuis des années ici à la pourvoirie et ça fonctionne très bien, c'est très apprécié. Donc oui, effectivement, quand vous arrivez au stationnement, vous n'êtes pas rendu encore à votre chalet, mais dans notre tête à nous, vos vacances commencent là. Fait que vous êtes pris en charge à partir du stationnement, on embarque vos bagages, notre équipe est ici pour vous accueillir, pour vous aider à décharger vos choses et les amener au chalet. Wow, j'adore ça. Dans le même ordre d'idées, oui. Là, on a pris plein de poissons. J'ai même pas arrangé un poisson. Non. Ça fait-tu partie aussi des affaires qui sont offertes à tout le monde? Effectivement que c'est offert à tout le monde. Ici, on a la poissonnerie. On a une belle installation pour éviscérer les poissons. Fait que vous, tout ce que vous avez à faire quand vous arrivez de la pêche, c'est emmener votre chaîne à poissons à la poissonnerie. Si vous voulez en manger, on le dit. Sinon, on s'occupe de tout le reste. On arrange vos poissons, soit en filet ou ronde, à votre désir. Ensuite, on les met au congélateur, on les congèle, puis on vous les remet à votre départ. On aime ça. Là, vous êtes, Karine et Dany, des nouveaux propriétaires. Hein? Ça fait un an. Oui, je crois, exactement. Ici. Y a-t-il des choses que vous avez changées par curiosité par rapport aux anciens propriétaires? On a changé certaines choses tout simplement parce qu'on a un désir de développer et aussi parce que c'est notre résidence permanente. On vit ici à l'année. Nous, c'est notre première année d'opération de façon autonome, mais on a eu la chance de faire une année complète avec M. Justin Tardif, qui était l'ancien propriétaire. Il a été... d'une bonté extraordinaire de nous former pendant une saison complète pour apprendre les rouages de la pourvoirie, apprendre comment ça fonctionne avec les clients, etc. Donc, après ça, nous, on embarque sur un petit peu plus d'aisance à opérer la pourvoirie et ça nous donne la facilité de poursuivre vers notre plan de développement. Enfin, donc, nous, en arrivant, ce qui était notre objectif, c'est de faire une petite mise à niveau sur les installations. Enfin, on a investi beaucoup d'argent sur, entre autres, les installations sanitaires, l'aqueduc, etc. Mais aussi, c'est qu'on a investi de l'argent pour préparer le terrain pour de l'opération hivernale. Donc, on a isolé 7 chalets. On a fait beaucoup de travaux sur la plomberie pour pouvoir avoir de l'eau l'hiver. Quand même important de nos jours d'avoir un certain luxe. Donc, oui, on se dirige vers beaucoup de nouveautés. Entre autres, cette année, les nouveautés qu'on a réussi à instaurer, on a un fumoir sur l'île. On est en train de construire des sites de camping, des sites de share lunch. Ça va être disponible, ça, dès l'année prochaine. Il y a beaucoup de choses là, qu'on veut instaurer ici pour augmenter l'expérience d'aventure nature. La pêche, c'est le fun, oui, mais souvent dans un groupe, c'est pas tout le monde qui veut concentrer tout leur voyage sur la pêche uniquement. Donc, tranquillement, on s'en vient avec un offre bonifié pour plaire à tous les gens du groupe. Là, si je comprends bien, ça veut dire que je pourrais revenir cet hiver à pêcher ici.
Ouais, c'est ça. C'est en plein ça. Ça, c'est le genre d'affaire qui me titille. Oui, là, l'hiver, on fait la pêche blanche. Hein? C'est dur de passer à côté quand on a un magnifique territoire comme ça avec des lacs aussi poissonneux. Fait qu'on on a obtenu l'autorisation de faire de la pêche blanche à la truite. La truite mouchetée. Fait que c'est une expérience qui est vraiment sympathique. Mais en plus de ça, l'hiver, on offre, comme je disais, la location de chalet. On est relais motoneige. On est directement relié sur les sentiers de motoneige. Et aussi, on fait du guidage de motoneige hors sentier. Fait que magnifique territoire. On peut se rendre n'importe où. On peut voyager d'une pourvoirie à l'autre sans jamais mettre le pied sur des sentiers balisés. Merci beaucoup, beaucoup de votre accueil. Pour une deuxième fois, on a eu un séjour pas mal fantastique. Karine, j'ai le goût de te laisser le mot de la fin. En Mauricie, ça mord ici.